Donc salut à tous, c'est Fun Power et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2014 pour le début de Paris-Nice, la première, deuxième et troisième étape. Donc aujourd'hui on se retrouve bah, pour Paris-Nice, ouais. Donc j'ai décidé donc. Ma start list sera. Bon, vous pouvez me critiquer, hein, parce que mettre Fabio Aru, Jean-Christophe Pierrot, Michel Kwiatkowski sur un tour comme ça sert pas à grand chose, mais pour moi c'est les préparatoires. Donc Fabio Aru, il va juste être là pour se contenter de suivre, tout comme Jean-Christophe Pierrot. Voilà, ça sera pas la dernière mission, là, juste pour être là en fait. Donc voilà, je leur donne un chance. D'ailleurs, Michel Kwiatkowski pourra faire un petit truc, hein, il grimpe très 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 bien, Michel. Et d'ailleurs, il aura sa carte à jouer dans les ballons. Et au niveau des sprints, j'ai appelé John Degenkolb pour les sprints de plat, Maxime Born pour l'emmener, et on aura Simon Gerrans pour le ballon, et Tony Lepin pour les sables de ballon aussi. On aura ces deux-là qui pourront, avec Kwiatkowski, faire quelque chose, ou même John Degenkolb. Il faut le dire. Donc, c'était pas ça que je voulais faire, et bon, c'est pas grave. On va vite voir les coureurs qu'il y a. On peut voir qu'il y a Roras, enfin, il y a Betancourt, Valverde, Basso, Pinot. Non, je regarde surtout, c'est par rapport à tous les sprinters, c'est sûr. Il y a Contador quand même. Non, parce que bon, tous ceux qui sont pas là, ils seront sur Tirreno. Normalement, il y a Rodriguez, il y a Froome. C'est impeccable. C'est impeccable parce que ça fait vraiment plaisir de voir ça. Qu'il y a tout ça. Donc c'est-à-dire que Tirreno, on pourra peut-être prétendre à une victoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas une victoire avec Andrew Talansky? Pourquoi pas? Écoutez, on se retrouve pour les derniers kilomètres de l'étape. On se retrouve vite fait là. Comme vous pouvez voir, Maxime Bar et John Degenkolb, ça va être compliqué. Ça va être même plus compliqué, je sais pas pourquoi. Alors je sais que Degenkolb a été blessé. Mais là, cette étape va être très compliquée pour lui. On va essayer qu'il tienne dans le peloton. Voilà, c'était juste une... Je sais pas, du coup, il sera garanti le sprinter de cette étape. Voilà. On va tout tenter avec lui, il est en forme. On verra bien avec lui ce qui se passera. Fabio Aru aussi, pas très 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 bien. Peut-être qu'il manque de rythme aussi, je pense qu'il manque beaucoup de rythme. Voilà, ils auront du rythme après, faut pas s'inquiéter. On se retrouve tout de suite pour les derniers kilomètres. À tout de suite. Et on se retrouve donc à 9,5 km d'arrivée et on voit que Paris-Nice va être remporté par Oga ou Matteo Tosato en échappé, tout simplement. Voilà, ça vient de là. Le peloton n'a pas réussi à relâcher. On peut voir que John Degenkolb s'est fait lâcher comme on pouvait s'y attendre, j'ai envie de dire. Voilà, essayez de lâcher. Maxime Born est encore plus loin, hein, si ce n'est qu'il est en dernière position. Et ça fait un peu chier de savoir que ça va être que le Paris-Nice va être emporté par un échappé. Voilà, ça fait un peu chier. Mais c'est comme ça. Tony Galopin va avoir du mal à suivre. Fabio Aru va se faire lâcher aussi. Hein, c'est pas intérieur, il est l'air plus coulé, juste. Il va se faire lâcher parce que c'est compliqué pour beaucoup de coureurs, je trouve. On voit qu'il y a peut-être la perte de temps, mais pas loin. Que Richez n'a pas pu tenir dans le peloton, d'ailleurs c'est très compliqué de tenir aussi. Hein. Voilà, victoire de Matteo Tosato, qui a même remporté, parce qu'il a pris 50 secondes à Chad Oga. Ça va être très compliqué de reprendre du temps à Matteo Tosato, parce que ça ne grimpe pas assez dans Paris-Nice. Donc voilà, ça va être très compliqué. Et moi je pense que... ouais. C'est dommage, je trouve que c'est dommage. C'est dommage que ça, qu'il y ait des trucs comme ça qui arrivent, que ça arrive sur PCM. Tu vois, c'était pas à moi de rouler, je pense. Le coureur était en difficulté. Non, c'est pas à moi de rouler, c'est pas à moi de rouler. Voilà, parce que ça, il y avait de la place, quoi. Donc, Marc Cavendish, et qui va se faire rouler par Sacha Modolo, et même tout le monde, d'ailleurs. Betancourt qui finit bien. Ouais, une première étape très compliquée, très difficile à gérer. C'est pas grave, Matteo Tosato vient de remporter le Paris-Nice. Ouais. Quasiment, ouais. C'est quasiment ça. Je vais essayer d'envoyer Tony Galopin dans la prochaine étape. On verra bien ce qui se passera. Maxime Born qui va essayer de venir dans les délais. Voilà, qui va être fait. Maxime, il est un peu plus bon. Aujourd'hui, il a bien tenu. Vraiment plus que 25 minutes. Voilà. C'est pas mal, pas mal,
Pas mal. Pas mal du tout. Très très bien. Voilà, donc voilà, on est à 7 minutes. En général, comme vous le voyez, prendre 7 minutes sur une étape comme ça. Ici, on peut reprendre du temps, mais oui, il va falloir tenter de très loin. Pareil pour ici, il faudra tenter d'ici, voire d'ici. Et là, c'est pareil. En fait, lui, il peut faire quelque chose. Il va vraiment falloir aller la chercher la victoire. Alors, parce que reprendre 7 minutes. À Matteo Tosato, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné du tout, même c'est même pas très bien parti. Voilà. J'espère que John Degenkolb et tout ça vont récupérer là, pour la prochaine étape. Donc aussi, je voulais vous dire que pendant la vidéo précédente, quand j'ai dit merci aux 70 abonnés, c'est possible que ce ne soit pas que j'en ai plus ou moins. Parce qu'en fait, j'ai tourné avant, en fait, je l'ai tourné avant la vidéo. Avant, enfin, pendant que j'ai 70 abonnés. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais voilà, donc j'ai 70 abonnés, je vous remercie vraiment. Beaucoup, beaucoup. Bon bah je pense que oui, quand vous verrez cette vidéo, il y aura soit moins d'abonnés, soit plus d'abonnés. J'espère plus, mais... ouais. Alors, oula, ma voix, elle est partie en couille, là. C'est... Enfin, voilà, vous me comprenez, quoi. Et un peu, ouais, je sais pas, là... Je voudrais juste voir un truc, de toute façon, on va voir. Mais écoutez, on se retrouve à 10 km de l'arrivée. À tout de suite. Et on se retrouve donc à 12,3 km de l'arrivée. On peut voir pour Fabien Roux, c'est vraiment très compliqué. Il a beaucoup de mal dans ce début de saison. On peut voir qu'il y a beaucoup de vent aussi. Même si il y avait 50 km de vent. Mais on voit qu'on est très loin parce que tout simplement, on voulait se protéger du vent. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. En tout cas, on peut voir Fabien Roux un peu dans le dur. Et Guilou vient de lâcher. Et Lancaster a lâché la plein de moment. Mais il arrive à garder l'écart. C'est compliqué là, ça va casser quelque part. À mon avis, vu comme ça roule très très fort. On peut voir, non, ça va là pour le moment. Fabien Roux, oui, il va lâcher, il va lâcher Fabien Roux. Peut-être la plus grosse déception pour le moment de ce tour, pour voir que Degenkolb et tout ça, ils ont bien récupéré, ils avaient quasiment leur barre au max au début d'étape. Et c'est Michel Kwiatkowski, avec un rouleur qui va peut-être oui, venir en tête du peloton, on va essayer de virer en tête Michel Kwiatkowski. Voilà qui est fait. Ouais, John Degenkolb, je ne sais pas. John Degenkolb, il est là. Ça va être un peu juste pour John Degenkolb là. John Degenkolb qui va essayer de prendre la roue de David Apollonio. Le reste va continuer. Voilà, il a pu prendre la roue d'Apollonio. Et il a pris la bonne roue à mon avis. John Degenkolb a pris la bonne roue. Et tout le monde va lancer le sprint. Et oui, John Degenkolb à mon avis, a pris la bonne roue. Même si Marc Cavendish semble très fort. Marc Cavendish semble très 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 fort. Marc Cavendish semble même imbattable. John Degenkolb ne reviendra pas. Simon Garrans peut-être, par contre Simon Garrans, la puissance de Simon Garrans. Garrans qui revient, Garrans qui revient. Victoire de Simon Garrans. Ah, quoique Sacha Modolo repart. Sacha Modolo repart. Mais non, victoire. Eh bien, pas de victoire de Simon Garrans. Pas de victoire pour Simon Garance, mais victoire pour Sacha Modolo. Le pire, c'est que ouais, j'ai fait une petite erreur en levant les bras. Je me suis fail moi-même. Super bien joué. Si Monsieur PC me regarde cette vidéo, il pourra rigoler parce que j'avais rigolé de lui une fois sur un sprint montagneux. Donc voilà, il a Garance, il lève les bras. Un beau epic fail là. Je savais pas qu'il arrêtait de sprinter quand il levait les bras. Je le saurai pour la prochaine fois. Enfin, l'épique fail de folie, quoi. J'aurais pu gagner et... Ah là 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 là. Un Paris-Nice noir pour le moment, on peut le dire. Vraiment noir. Je suis noir. C'est... Ouais. Je foire tout ce que je fais. Pourtant, on avait plutôt été bon sur Tom Under, mais là... C'est pas qu'on a du mal, hein, c'est que...
Les formes sont pas là. Aussi, il faut le dire. On a personne en forme 1. On peut voir que Arrow et Garand sont en forme 3. Ils sont pas au meilleur de leur forme. Ils sont pas au pire de leur forme, mais ils sont pas au meilleur. Donc, à voir. Jusqu'à cette troisième étape, on est en train de sauver un peu la vidéo parce que pour le moment, on a un peu de mal. On a un peu de mal. Allez, on se retrouve tout de suite pour les 10 derniers kilomètres à suite. Et on se retrouve donc à 13,2 km de l'arrivée. C'est parti, alors qu'on a 3 échappées pour le moment. Je crois qu'il y a encore beaucoup de temps, il y en a encore moins que tout à l'heure, mais il y en a toujours un peu. Même beaucoup. Il y a Zventov, très bon rouleur. On a Borganov, on a Sébastien Minard. Alors c'est compliqué pour Zventov. T'es Minard qui tente d'y retourner, mais Zventov c'est compliqué. John Logan, il va falloir qu'il prenne la bonne roue. Il va falloir qu'il prenne la bonne roue là. Il a la roue de personne pour le moment, John. Peut-être la roue de Peter Cerin en attendant. Ou alors que là, Sébastien Villard, il s'est fait reprendre. Je suis en train d'essayer de trouver le lanceur de Greipel. Pour le moment, je ne trouve aucun des lanceurs. Mais je vois que la loto est très très bien organisée. Mon fort, Valet, est-ce que. Boris, ah c'est un clin d'œil à Max Lap, hein, qui a une carrière avec la Lotto et qui me fait marrer avec son Boris. Son Boris Valet. Et bah du coup, bah écoutez, on va y aller comme ça. Là par contre ça fera. Ah là, alors là ça attaque, attendez. Il va prendre la roue d'Alessandro Petacchi, John Degenkolb. Il va aller prendre la roue d'Alessandro Petacchi. Il a pas pris la roue d'Alessandro Petacchi. Il a pas pris la roue d'Alessandro Petacchi. Et du coup, il va être battu, John Degenkolb. Il va être battu. Il est battu même, il est battu. Parce que devant, on marque Kevin qui s'est emmené sur un plateau. Bikeman s'en emmène Greipel. Greipel bien placé. Greipel bien placé. Greipel bien placé. Coup de téléphone, je reviens. Oui, donc on se retrouve. Greipel qui sort, Greipel qui sort, Greipel qui sort. Et c'est Marc Cavendish, ce coup-ci, il n'y aura pas de Sacha Morello. Pour lui empêcher de gagner John Degenkolb un peu loin. Ah John Degenkolb il fait 9e. Ouais. J'aurais déjà été meilleur hein, quand je pense que oui, c'est vraiment. J'aurais gagné celle d'avant. Là voilà, je sais plus pourquoi il a voulu prendre la roue et on était trop loin, c'est terminé. Là, vous me dites, vous pouvez vous dire pourquoi je fais pas 30 parce que je me fais à chaque fois bloqué. À chaque fois, je suis hors de 30e, donc j'ai un top 10, c'est là ça. Du coup, Garance, bah, 10e au général, comme Simon Garance. Il est chaud, 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 Simon. Il est chaud. C'est le premier de ceux qui sont en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. On fera. Alors, peut-être que le Tirreno va commencer aussi. Hein. Le Tirreno, il commence. Le 12-03 et on est le 11, il y aura commencé. Hein. Donc là, si on passe le jour, on sera le 12. Donc il y aura soit une étape du Paris-Nice. Une étape du Paris-Nice, c'est-à-dire la prochaine, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Celle-là. Il y aura peut-être celle-là aussi. Et il y aura deux tirs. Donc le course de la montre par équipe et peut-être celle-là. On ne sait pas encore laquelle est la bonne. On se retrouve donc plus à la fin. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça arrive aussi de me faire des epic fails comme ça. Je me suis vraiment fail, mais bien fail. J'aurais dû la gagner. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois. À plus.